Lancé pour la première fois sur l'antenne de M6 en 1993, le magazine Zone Interdite est aujourd'hui devenu l'un des programmes les plus incontournables de la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernost. Diffusé en alternance avec le magazine Capital, l'émission sera de retour pour un nouveau numéro inédit dimanche 11 décembre 2022, à partir de 21h05 sur M6. Pour rappel, plusieurs figures emblématiques du paysage audiovisuel français se sont succédées à la présentation de Zone Interdite au fil des années. Bernard de la Villardière, Anne-Sophie Lapix, Mélissa Thorio, ou bien encore Wendy Bouchard ont incarné ce magazine, qui est désormais présenté par Ophélie Meunier depuis 2016. Cette semaine, les équipes de Zone Interdite se sont intéressées au chantier de Saint-Nazaire. Si est un lieu mythique, symbole du savoir-faire industriel français et du mythe des paquebots de croisière. Pendant 3 ans, les équipes de Zone Interdite ont pu suivre en exclusivité au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, Loire-Atlantique, la construction d'un paquebot révolutionnaire, le World Europa. Il vaut 1 milliard d'euros et cumule les records. Il pourra accueillir jusqu'à 600-700 passagers et dispose d'un parc d'attractions inédit. Ces lignes sont futuristes et cassent les codes. Et surtout, il s'agit du paquebot le plus propre jamais construit car propulsé au gaz naturel liquide, GNL, a indiqué M6 dans un communiqué. Zone Interdite, les équipes du magazine ont suivi les travaux d'un gigantesque paquebot. Sa construction est un défi technologique et une aventure humaine hors normes. Pendant 3 ans, 2500 femmes et hommes y ont œuvré jour et nuit. Ouvriers, décorateurs, ingénieurs ou agents d'entretien aux missions extrêmes, ils incarnent l'élite de leur profession et leur savoir-faire sont uniques. Parmi eux, Wendy, une jeune maman de 27 ans qui exerce un métier particulièrement dangereux. Elle est soudeuse dans l'atelier 180 tonnes. Si est ici que sont conçues les pièces les plus stratégiques du navire. Arrivée depuis seulement 2 ans, elle va se démener pour accomplir ses missions avec succès et s'imposer dans ce milieu. Clément, ingénieur et architecte de 37 ans, est responsable de toute la partie arrière du paquebot. Une zone primordiale car elle cumule les éléments les plus spectaculaires, le plus grand toboggan du monde et un lustre en cristal de plusieurs millions d'euros. Charge à lui de coordonner ses installations à haut risque. Mais sur un projet d'une telle ampleur, rien ne se passe jamais comme prévu, a ajouté la chaîne. Nous avons aussi suivi des professionnels qui œuvrent dans l'ombre mais dont le travail force l'admiration, on les appelle les filles du nettoyage. Lydie et sa brigade sont des as du ménage de l'extrême. Leur terrain de jeu, salle des machines, cheminée au fioul, cale du navire. Un métier dangereux et très dur physiquement, qu'elle n'échangerait pour rien au monde. Sur le chantier, Antoine fait partie des figures incontournables. Si est-il le pro des échafaudages, un métier indispensable, et il connaît le bateau comme sa poche. Mais Antoine est surtout un fan inconditionnel de croisière. Il collectionne tout un tas d'objets insolites et filme tout. Il n'a qu'une hâte, voir le navire terminé et embarqué. Jusqu'au jour de la livraison du paquebot il y a tout juste un mois, nous avons suivi l'épopée industrielle du World Europa à travers les femmes et les hommes qui ont participé à sa construction.
Ils sont tous animés par le même objectif, faire honneur au savoir-faire historique des chantiers de l'Atlantique, a finalement conclu M6.